Et c'est le mode Satos, on est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va continuer notre petite aventure sur Rome, World War Z. Donc déjà je remercie tout le monde qui nous suit depuis maintenant pas mal d'années, qui suivent les délires, qui suivent nos défis, nos petits trucs comme ça qu'on fait sur le jeu. On essaye de renouveler toujours le contenu pour vous donner le plus de fun, le plus de délire, le plus de choses qui vous aiguillent vos journées, surtout dans ces temps un peu difficiles, Covid et compagnie. Donc voilà, ouais, donc n'hésitez pas évidemment à nous écrire des petits commentaires, à nous parler un peu de vos ressentis sur le jeu, si vous avez testé le jeu, si vous avez testé le jeu depuis son extension upgrade, Night je sais plus quoi, n'hésitez pas à nous le dire. After match, pardon. N'hésitez pas à nous le dire. Et si c'est des maps que vous aimez bien, c'est pareil, n'hésitez pas à nous checker un peu votre arme préférée aussi. Si vous avez possibilité de lâcher votre petit abonnement, un petit commentaire, un petit like, là, ça fait toujours plaisir, évidemment, ça permet à la chaîne d'évoluer, de monter petit à petit, et de voir un peu jusqu'où on peut aller. Hein. Plus on montera, plus on pourra vous proposer de nouvelles choses, que ce soit des concours, des choses comme ça. C'est vrai que le dernier concours qu'on avait fait, ça date de la sortie de Sea of Thieves. On avait gagné un jeu Sea of Thieves. C'est vrai que cet épisode là j'avais déjà enregistré, donc vous devez voir peut-être qu'il est déjà en validé. Hein? Où? Quoi? Comment? Qui? Quoi? Comment? Qui? Pourquoi m'attaquer? Moi? Directement il est déjà validé, mais je sais pas, j'ai perdu la save. Donc je me refais. Même si le jeu reste quand même hyper linéaire, la vue première personne et tout, ça rend bien. Clairement, je jure, ça rend bien. Et moi, ce que j'aime bien en plus, c'est comme là, c'est des DLC qui sont soit dans le Game Pass, soit dans des petits trucs comme ça. Là, je crois que celui-là, je l'avais acheté d'ailleurs, After Match. Au moins, ça permet de revenir sur des jeux qu'on a déjà fait. Déjà, en premier, revenir sur des jeux qu'on a déjà fait. Vous permettre de ne pas avoir seulement que le jeu de base, mais aussi le jeu avec les DLC, quand les DLC, pour moi, j'y trouve intéressant. Et ça permet voilà, d'avoir des playlists encore plus intéressantes. Je crois qu'on a dépassé en tout. Alors, vous les avez peut-être pas tous, parce que, évidemment, beaucoup, j'ai une centaine de vidéos qui sont non répertoriées. Il y a des jours, je pense, j'ai oublié de programmer le... J'ai quasiment une vidéo par jour qui tombe de Let's Play. Let's Play ou autre, évidemment. Et c'est vrai que j'ai tendance des fois à oublier carrément de programmer la sortie. Donc toutes les vidéos que j'ai pas programmées, bah ils sont en retard. Ce qui fait que ça décale. Par exemple, à l'heure actuelle, on a fini Tales of Rise, qui était dans la bande-annonce de la chaîne. Et que je crois qu'il y a que le premier épisode qui est sorti. Parce que j'ai eu pas mal d'autres jeux qui sont sortis. Je voulais la sortir pour un événement particulier et que j'ai pas eu le temps de pouvoir le faire. Donc voilà, il me reste juste à finir les miniatures des derniers épisodes et le let's play en entier est fait. Et d'ailleurs qui fait parmi. Je pense qu'à la fin de l'année, si ça vous intéresse, à la fin d'année, en mois de décembre, on fera un... Parce que je vais laisser quand même la possibilité de m'éblouir sur les jeux là qui sortent là novembre. Soit Battlefield, soit le Call of et tout. Mais en gros, oh je me suis fait éclatax. Oh la vieille Micheline. Théoriquement, mes potes qui sont dedans seraient morts. Hein. Et je ferai sûrement, je pense, une vidéo spéciale avec les jeux dans l'année qui m'ont surpris. Soit qui m'ont surpris, soit qui m'ont vraiment donné de la hype. Ou alors peut-être le jeu que j'ai tout plutôt été déçu. Parce que ça, pareil, on en aurait tellement. Oh, le petit revolver qui passe bien.
Les hautes tensions, ça c'est cool. Je vais en mettre une ici. Parce qu'il faut qu'on protège ce point-là. Munitions. Grenade. Toile automatique, nickel. Toile automatique, on va mettre. Ouf. Là, parce que là, trois quarts des ennemis viennent par là. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on la mette. Ouais, le problème, c'est qu'il couvre n'importe quoi, ça. Ouais, bah c'est celui-là qui va mieux le couvrir. Auto turret reporting for duty. Alors ça, c'est là, ok. Ouais, c'est nickel ça, celui-là en premier. Monte par là. Non. On a quoi? Pistolet mitrailleur, fil de combat. Alors faut qu'on descende, qu'on défende ça jusqu'en. Grenade. Il y a un truc de soin, je suis pas blessé encore, donc étonnamment. J'ai plus tendance à être bourrin et crever facilement, mais non, ça va. Allez, avance, machine. Going hot! Vespa's big debut!
Will you check inside for a way to get it over? Hold steady! We need to reload! I think we're being... Hop, on traverse. Eyes peeled for explosives! We're gonna need a key card to unlock it. Searching bodies again. Give me the creeps. Ils ont bon effet de faire mes coéquipiers. I got nothing. Keep looking. Watch out! Explosives! Search them all! Tu l'as pas. On va y arriver à trouver cette porte. Ça c'est nouveau, non? J'ai vu qu'ils ont rajouté des petits trucs dans la mise à jour, donc ça doit être des nouveaux, je pense. Je le laisse s'écouper, j'ai pas vu. Ah, y'a plus de munitions. Chier. Allez, push. Dommage, ils n'ont pas de caisse de munitions pour essayer. Il n'est pas aligné au barbelé. Walk this way, Zeke. Grenade, ça c'est bon. Stand a chance!
Electrogrid, set. Non, mais arrête, c'est bon. Oui, bah, pourquoi t'as pas? Y'a pas ici, par exemple. Ça aurait été sympa de mettre un petit truc aussi. Tant pis. Tac, qui donne là, ça donnera ici, c'est pas mal. Keep an eye on this auto turret. Bonne caisse. I'm feeling lucky. Kit de soin, ça c'est bon. They don't stand a chance. Tiens, on va peut-être t'envoyer un truc pour défendre ici quand même. Ok, ça va, ça les mecs. Ah merde, oui, bah je suis con. J'ai pas activé le deuxième. Je suis parti en fight direct, mais j'ai pas activé le deuxième chrono. Tac, et après, hop. Ciao. Désolé mamie.
light them up. You got. Ouais, on s'en est full. Need to reload. Il a monté, 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 dépêche-toi Marcel. Apollo, we're losing time. Get to the console. Vesta, you're on. Quiet as we. My countrymen, you're hearing my voice because we have reached a turning point in this war. We won't run anymore. Tomorrow, we take back Rome. Our brave fighters will converge on the Colosseum for a final push against the infected. I ask you to be their guardian angels. If you have ammunition, use it. We need all of you. Together, we will turn the tide. Godspeed, brothers and sisters. Oh, presque 1000 zombies, hein. 976 quand même. Et les explosifs. Revolver niveau 2. J'ai débloqué un défi. Okay. Changer d'épisode, hop, et dernier épisode de l'Italie. To lure every goddamn Zed in the city to one giant pit? Very clever. Would you prefer we sing a happy tune while they sink their teeth into us? Hey, enough! We have our orders. Let's get this over with. Let's go. Ah, alors, arrête de bouger, s'il te plaît. Pourquoi tu fais ça? They took the bait. Time for stealth mode. There's the restaurant. We can cut through. Look for a way through. Bingo. Back door. He's running. Look at the adapter. Closing in on the first checkpoint. Report in. Metal Fear! Seeker everywhere, but we're pushing through!
that, Apollo. Minerva standing by. Activate your lure. What about defenses? Just in case, you know? Wait! Vite. C'est pas bien quand tu te casses la gueule sur une horde de zombies. C'est le bordel, c'est le bordel. On a une IA qui a crash. Pas ce que j'ai demandé, mais ça. Faut qu'on je taille. Oh, baby! Faut qu'il se taille. Tis-toi, t'es route. Get to the Coliseum.
those engineers are ready. Swapping mags! My god! Are you saying that? What are we doing? Not like you to be a pessimist, Marco. There you are, at last! Welcome to the party, Apollo! Wow. Holy shit! It's like a gateway to hell! Apollo, check it in pit side. Good work, Apollo. Set up defenses and move ready for anything. Saturn, tell us, what's your status? Saturn here. Coming in hot with company. 60 seconds. Tell us, Vesta. We're setting up on the eastern flank. I don't think they know we're here. Keep an eye on this auto turret. It all helps. Barbed wire in place. Lurker's dead. Killed another lurker. Shit, I'm mad. Chez la merde. They don't stand a chance. Electrogrid set. On a quand même de bonnes défenses là, pas trop se plaindre. Tu vois, on a quand même moins de trucs sympatoches. Si t'y a plus, en général, tu te démerdes. Faut que je pense à remettre des munitions dans les tours automatiques, mais à part ça, ça devrait passer. Il y a cette toile. Oh, foiré! Régulièrement. T'inquiète, on me protège, vas-y, vas-y. Swapping mags.
fighting again. To the pit, andiamo! Let's go! Get in there and help that engineer up! These are calm squad. Hold your position. Saturn still has the southern edge control. They're here! Tell us, Sylvester! They're thinning out on the east! Winning would feel better. We just reclaimed our home. Can't you enjoy that? We've got the fighting chance now, Marco. It's not a bad comeback. A comeback? Yeah, I could live with that. Et ben nickel, on a fini la avant-dernière map de World War Z qui était donc Rome. On a fini Rome, dans le prochain épisode on va attaquer Kamchatka qu'on va faire bien tout de suite pour ceux qui sont sur live et pour ceux qui sont sur la vidéo YouTube. Je vous dis à la prochaine. Surtout partager, liker et oublier.